Bonjour YouTube! C'est parti pour les tentacouilles! Ok, pas de dernière salle de loot, c'est ça? Alors, est-ce que la stase est utile? J'en sais rien. Est-ce que les autres armes sont utiles? J'en sais rien. C'était de la merde. What? Est-ce que je suis timé par ça ou... Oui, j'ai tiré comme un bonus. Ou est-ce que c'est dès que je tue une tentacule, je me fais tentaculer? Est-ce que je peux aller par là au moins? Ah bah non, bien sûr que non. Gaspiller des munitions. Oui, bien sûr, bonjour. Piquante cette petite merguez. Oh putain. Oui. J'ai sursauté. Je le nierai pas, oui. Tigili d'ailleurs. Tigili dans le dos, là. Bah, la madame la reine, elle veut pas son suppôt. Hein. Attendez, avant d'aller au bout, moi je vais là. Hein. Ah, je peux pas. D'accord. Je veux vraiment pas son support. Bah tiens! Comme c'est étonnant, je ne vous attendais pas. Je rêve, il s'est fait imploser instant. Je savais que tu reviendrais. Nous ne sommes plus qu'un, Isaac. À jamais. Alerte d'urgence. Générateur de gravité inactif. Environnement instable. Impact imminent. Veuillez évacuer cette zone immédiatement. Quoi? Donc, elle a tiré avec son énorme rayon pénis. Cycle de décontamination activé. Allez-y. Petite douche au formol. Oh, l'autre casse-couille!
Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Je regrette. Je regrette tellement pour tout. J'aurais simplement aimé parler à quelqu'un. Oh, il y a les problèmes. Je peux pas croire ce qui se passe. Étrange. Ces petites choses. C'est fini. Tout dépend de toi. Cette petite chose. Je ne voulais pas finir comme ça. J'aurais tant aimé te revoir. Juste une fois. Je t'aimais. Je t'ai toujours aimé. En fait, on a rêvé de notre femme. Elle est morte. Comme tout le monde pète un plomb avec le monolithe et devient fou et voit des gens qui sont morts et voilà, et ben nous on a vu notre femme. Et ça se trouve, on l'a dessoulée dans les premières. Bah comme toi aussi. Oui, mais toi aussi, elle te manipule. Les gars, on est foutu en fer. Adieu, Isaac. Salut, et surtout, ne reviens pas. Et tu peux te le foutre dans le cul, ton monolithe. Merci. Adieu. Voilà. À jamais. Et pourquoi moi, j'ai une porte des enfers de merde ? Pourquoi on m'offre un point de force ? C'est le combat final. Pour avoir autant de munitions, autant d'emmerdes. Croyez-moi. Bon, en même temps, depuis le début, je dis ouais, chapitre 12. Dernier chapitre, chapitre 12. C'est ça, la salle qui était bloquée. Donc le stock, la sauvegarde, les ambiances. Ok. Donc là, c'est plus l'inventaire qui est le plus important que le reste. Bon, le mini soin, on l'oublie. Je pense pas qu'on va avoir une besoin de recharge. Il n'y a pas moyen de trier notre... Excusez-moi, hein, je me concentre.
Ok, 6 points de force. On va tous les cramer d'ailleurs, puisque on n'a plus besoin, je pense, d'attendre quoi que ce soit. On avait commencé à investir dans le découpeur. Je suis pas sûr que le découpeur soit une bonne idée contre le boss. The boss. L'arme d'assaut, par exemple. Juste les dégâts sur l'arme d'assaut, ça peut être utile, je pense. Ok. La musique qui prépare. Allez, c'est parti pour 40 minutes de combat. Le seul truc, c'est que j'ai pas pris de stase. Donc si il en faut, faudra reprendre la sauvegarde pour que j'ai de la stase. Dans mon inventaire. Qui est... quasi full. Mais à la rigueur... ça laisse une place pour quelque chose d'autre. Des munitions supplémentaires. Oh, mon Dieu. Ah! Pardon. Jamais, elle a peut-être envie. Ok, donc de toute façon on avait bien compris, hein, c'était ces bouboules là. Rappelez-vous, le boss plante, on a chié des rondelles. What? Non, non. Non. What? Non, mais vous voulez viser comme ça, c'est impossible. C'est impossible de viser là. Non, c'est impossible de viser. Ah, la souris, la souris. Et là, tu apprends que le boss, c'est ta femme. Putain, l'enfoiré. Chérie, t'as changé quand même. Oh, il va pas régénérer ses cœurs de merde. À gauche, à droite. Souvenez-vous, hein, le Francky Vincent, à gauche, à droite, ces soirées-là. Quoi. Et là,
on peut pas en gratter un deuxième. Hein. C'est soirée là. Tintin, dragon branche la main. Au centre et... La dernière bouboule magique. Non, ça va pas être fini, ça. À mon avis, c'est pas fini. Ça? Je suis un peu étonné. Ah, c'est con. Mourir comme ça, c'est quand même très... C'est vrai, je vous rappelle qu'on avait lâché l'astéroïde. Et maintenant, c'est nous qu'il faut venir sauver, c'est ça? Donc si, c'était bien. Le boss était étonnamment facile. Après, je me souviens que l'autre boss, bien évidemment, j'étais à court de munitions en permanence. Là, j'ai tellement préparé... Oh, on voit sa tête. Bah, t'aurais mieux fait de garder ton casque. Excusez-moi, moment d'émotion, je vais me masquer. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler. Alors, le jeu n'explique pas pourquoi il est muet. Pourquoi notre héros est muet. Incroyable. Oh, c'est la fin. Je l'avais dit, hein. Comme quoi, il y a des fois, je dis des choses, c'est vrai. Excusez-moi, je vous ai baissé le son du jeu. De façon à faire, comme d'habitude, la conclusion des jeux. Hein, lequel, on va dire, je termine. Alors... les points positifs, l'ambiance, pour le peu qu'on y adhère, est géniale. Je mets un point d'honneur à signaler l'ambiance sonore. Je trouve vraiment le bruit des monstres, la musique, même la musique, les bruits quand on est dans les situations d'antigravité ou dans l'air, le ressenti d'Isaac sur les dégâts, enfin les... Ce genre de... de choses est très très bonne. Alors, on va pas trop juger les graphismes, même si il reste étonnamment correct, je trouve. C'est un jeu qui a plutôt bien vieilli. Alors bien sûr, faut pas s'attaquer trop à la modélisation des visages des personnages. Mais la physique en elle-même est assez intéressante. au minimum. Le fait de devoir démembrer... les monstres, plutôt que de viser tout simplement la tête, le corps, le cœur, ce que vous voulez. Ça, c'est assez intéressant. Et la physique d'attraper quelque chose pour potentiellement le jeter devrait être peut-être un peu plus mise en avant. La stase, c'est très sympathique.
La courbe de difficulté est assez sympathique. Enfin, est assez bonne. Hormis peut-être pour le boss de la première fois qu'on croise les plantes. Parce que pour peu qu'on n'ait pas assez de munitions, il devient un peu chiant. J'ai un peu galéré là-dessus. Merci, GG. Mais j'avoue d'avoir suivi tout ça. Le boss de fin, un brin trop facile. Le scénario, un brin cliché. Mais c'est pas grave. On est là pour l'ambiance. On est là pour... Alors, au niveau du gameplay. C'est vrai que je disais, on est là pour l'ambiance, on est là pour le gameplay. Alors, le gameplay, Isaac, c'est quand même un porte-avions hein, à manipuler. Ça rentre pas dans tous les ports. Son maniement est assez lourd. Et je dois bien avouer... et je m'incline humblement. Pour le coup, clavier souris, même pour un TPS, c'est plus facile au clavier souris que à la manette. En fait, c'est vraiment le gauche-droite à la manette qui est extrêmement lourd et qui rend finalement la visée impraticable. À la souris, c'est beaucoup plus facile. Par contre, ouais, pour un TPS, moi j'aime bien avoir la manette, c'est qu'une façon de parler. Mais je dois bien avouer que pour Dead Space 1, le jeu est beaucoup plus jouable. Clavier souris, my bad de pas être passé dessus beaucoup plus tôt. Voilà. Et je remercie d'ailleurs, c'est détruit tout, si je me souviens bien, d'avoir insisté pour que j'essaye au clavier souris. Comme quoi, hein, il faut essayer. Ensuite, bah, on va faire le 2. J'espère que le 2 est aussi bien que le 1. Dans les autres points positifs, oui, je voulais parler des points sur l'antigravité, enfin sur les zones où il n'y a pas de gravité, pas antigravité, mais là où il n'y a pas de gravité. C'est vraiment un élément très intéressant. Le côté pas d'air peut rajouter de la pression, mais finalement, à aucun moment j'ai eu besoin d'utiliser mes capsules d'air. Donc peut-être aurait-il fallu justement un bouton un peu comme les soins rapides, binder l'oxygène rapide et que ce soit un élément nécessaire au gameplay. La stase, j'ai quasiment fait tout le jeu, je vais pas dire sans, parce que non, je l'ai utilisé à plein de moments, mais je l'ai pas utilisé autant que j'aurais dû. Au niveau de New Game Plus, et bah, de toute façon, je penserais sincèrement qu'il faut rejouer dans un mode de difficulté supérieur, parce que si on rejoue en normal, avec les armes améliorées, il y a, à mon avis, très peu de difficulté. On rentre, on désingue tout, et on passe à la suite. J'aurais peut-être aimé, potentiellement, je vais pas dire que certaines choses soient mieux expliquées, ou c'est moi qui ai pas été assez attentif, mais par exemple, sur certains monstres, le fait qu'on doive le fuir, et non pas le tuer, alors que tous les autres, on a mis du temps, on a gaspillé des munitions, mais on a réussi à le tuer. Le monstre qui se régénérait, j'aurais bien aimé qu'on me dise « t'as aucune chance » et pas l'ennemi hein, me dise « t'as aucune chance » mais vraiment une alliée, quand c'est encore des alliés, me dire « vas-y, barre-toi » et potentiellement le cramer au réacteur à la fin. Bah, je l'avais fait et pour moi je l'avais fait deux fois. Après, il n'était pas positionné bon au centre. Je m'attendais à ce que, à partir du moment où il soit sur la plateforme de lancement, à la fin, hein, si vous voyez le pont qui traverse les deux côtés, je m'attendais à ce que ça soit bon. Donc, voilà, c'est les petits reproches qu'on fait au jeu. Sincèrement, il reste très bon, malgré qu'il soit plus tout jeune. J'ai vraiment apprécié d'y jouer. Je vais vraiment apprécier, à mon avis, attaquer le 2. On verra ce qu'il en est au niveau scénario. Là, finalement, on est tout seul perdu dans l'espace avec la grande patience de mon chien au jus. C'est pas moi. Hein. À la mémoire. Tiens. Ah mais là, passez-moi vite. Je regardais les crédits. Il y a marqué à la mémoire des personnes qui ont justement qui étaient au chien. Est-ce qu'il y a une scène pas générique? Pas du tout. On en est à... Voulez-vous sauvegarder? Survivant de l'infini. Tenue militaire débloquée. Voilà, c'est la sixième tenue dont on parlait. Tenue historique débloquée. 500 crédits offerts. 10 points de force offerts. Ah oui, donc pour le mode impossible débloqué.
D'accord. Très bien. C'est pas fini en fait. Si, si, c'est fini. Du coup, on peut faire continuer et on reprend le jeu depuis le début en New Game Plus. D'ailleurs. Ah non, on le recommence dans le même niveau de difficulté? Vraiment? Bon, bref, tout ça, c'est pas quelque chose qui intéresse YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé. Des bisous. Au revoir.